Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder les bugs les plus fous de Minecraft. Restez bien jusqu'à la fin, maximum de likes sous cette vidéo, parce que vous allez voir que la vidéo est incroyable. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et surtout, dis-moi dans les commentaires le bug que tu as préféré le plus. Bref, bon visionnage. C'est parti les amis, nous allons voir quel bug ils vont nous proposer aujourd'hui. Les potes, je le répète, c'est une totale découverte. Je découvre la vidéo en même temps que vous. Je ne l'ai pas regardé avant. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de casser des minerais du Nether, si je ne me trompe pas, avec une pioche en or. Et ça lui donne des pépites d'or. Bon, je ne comprends pas trop parce que bon, moi je joue sur des versions inférieures. Ça, je crois que c'est les nouvelles versions et tout. Dites-moi dans les commentaires tout de suite quel est le bug. Comme ça, j'arriverai à mieux comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Coucou Steve. Qu'est-ce qu'il va faire, le petit Steve, à votre avis? Oh, il est en train de faire un portail de l'Under, j'ai l'impression, les amis. Ok, d'accord. Il va casser, d'accord. Ok, il casse l'intérieur. Oula, attention. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, les potes? Je n'arrive pas à comprendre, hein. En tout cas, c'est un petit truc en redstone, je crois. Oula. Ok, il a mis un piston. Là, il allume le portail. Qu'est-ce que ça va faire? Attention. Oh, ok, il a actionné le piston, attention. Oh, regardez ce que ça fait, waouh. En vrai, c'est stylé, j'aime beaucoup. Attendez, et c'est... Oh, oh. Incroyable, regardez. Regardez qu'est-ce qui s'est passé, ça a cassé un morceau de portail. Incroyable. Mais c'est incroyable. N'hésitez pas à tester ce bug dans vos survies et à me dire si ça marche vraiment, mais je pense que ça marche. Et qu'est-ce qu'un cochon fait là? C'est bizarre, il y a un cochon dans l'Ender. Alors, rebonjour Steve. Attention les amis, qu'est-ce qu'il va nous réserver? On va voir ça tous ensemble. Du coup, il met un seau, enfin il prend un seau d'eau, il le met dans un chaudron, ensuite il met de l'eau dans un trou. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ok, il met un poulet dans le chaudron. What? Ah, regardez les potes, dans le chaudron le poulet ne nage pas, mais dans le trou il nage. Bon après ça c'est peut-être parce que le chaudron est plus petit que le trou. Je sais pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est ça, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Alors ok, il place un petit bateau. Oula, petit bateau devant un arbuste. Ok, il va dans l'arbre, d'accord. Ok, il lâche son bateau, attention. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Oh, ah ouais, wow. Waouh. D'accord, ça fait partie des bugs de Minecraft, ça? Pas mal du tout. Ok, les potes, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Vraiment, les potes. Un arbre peut pousser dans un bateau. Oula, attention. Avec un sapin, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Attention. Oh, mais ça fait tout. Avec tous les arbres, ça marche. Bon, c'est un petit bug qui sert un petit peu à rien, mais c'est un petit bug quand même, les amis, hein, j'ai envie de vous dire. Oula. Attention, là il va faire spawn un géant arbre. Attention les potes, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Attention. Oh, regardez, on voit quand même le bateau à travers. On le voit le bateau. On le voit, regardez, il est encore là le bateau. Mais what? Ok, le bateau est indestructible. En vrai, c'est original. En vrai, vous imaginez, vous avez un village et dans tous les villages, enfin dans tous les arbres du village, il y a un bateau coincé à l'intérieur. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, c'est stylé. Je trouve ça stylé quand même. Ok. Là, changement d'ambiance. Le Steve, il en survit avec une armure et tout. Avec un petit peu de nourriture sur lui. Ok. Oula. Il va apprivoiser un petit chien-chien. On va l'appeler Lucas. Voilà, on va l'appeler Lucas, le petit chien. On va l'appeler Lucas. C'est parti. Ok, il va dans les grottes avec Lucas, les amis. Tranquille. Oh, il y a un deuxième chien là-bas. Quoi? Ouais. Mais quoi? Mais c'est pas... Mais Lucas, attaque, c'est quoi? What? Il y a des chiens zombies. Mais depuis quand? Mais c'est trop stylé. Incroyable. Attendez les potes, j'espère qu'il y en aura un deuxième. Oui, il y en a même beaucoup. Mais il y a un troupeau, c'est incroyable. Et regardez, notre chien les attaque pas parce que je pense que c'est des chiens et du coup ils s'attaquent pas entre eux. C'est vraiment stylé en vrai. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça vraiment stylé. C'est quoi ce bug incroyable? En plus, ils font les mêmes bruits que les zombies de base et tout. C'est stylé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce bug-là, masterclass. Masterclass. Attention, peut-être qu'il y aura des mobs un petit peu plus chauds. Non,
Même pas? Ok, en tout cas c'était un très beau bug, j'aime beaucoup. Pour l'instant les amis, on est gâtés là niveau bug, hein. Ok, alors là, oula, il est dans les grottes, une très très belle grotte au passage, on voit qu'il y a beaucoup de minerais partout. Et là il y a du diamant, nickel, vas-y, récupère-moi tout ça. Allez, 1, 2, 3 diamants je crois, 4, 4, 4 diamants, ok, 4 diamants, c'est une bonne récolte. Du coup là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se faire une table de craft avec une épée ou une pioche. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire les amis? Ok, il se fait une épée en diamant. Pourquoi faire? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Ok, il va monter un petit peu encore en haut. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Oula. Oh, il y a un zombie. Ok, il y a un zombie. C'est l'heure du fight avec notre nouvelle épée en diamant. Quoi? Il a voulu taper, mais pour... Mais... Bah attendez, l'épée, il la mange. Mais l'épée, il la mange, les amis, regardez. Il a mangé l'épée en diamant. Il a mangé l'épée en diamant, c'est incroyable. What? Il a mangé l'épée en diamant. Mais c'est trop bizarre. Vraiment bizarre, les potes, pour le coup. Mais bon, c'est un bug, les amis, c'est un bug. Pourquoi il casse du bois avec une pioche? Vous m'expliquez? Je ne comprends pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ok, là, il se fait une belle petite table de craft. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les grottes? Oh, il a l'air d'avoir une petite grotte ici, ok. Il a l'air d'avoir une petite grotte. Hein? Oh, regardez, ça lui donne de la stone, alors que normalement, c'est de la pierre taillée. Enfin, de la cobblestone. Regardez. Normalement, les blocs, ils ne sont pas comme ça quand on les casse, hein. Pour ceux qui connaissent le jeu et tout, c'est pas comme ça. Je suis désolé, c'est quoi ce bug, là? Je vais être remboursé, là, oh. Je vais être remboursé, c'est quoi ces bugs qu'il y a sur le jeu là? N'importe quoi, en tout cas les potes, c'est des bugs vraiment incroyables, j'aime beaucoup. Ouais, il peut rien faire avec, c'est de la stone. Bah oui, c'est de la pierre, elle est pas taillée la pierre. Tu peux rien faire avec. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Attention, il va faire quoi? Ah bah il va rien faire, ok, pourquoi pas. Oh alors, qu'est-ce que ce bug nous réserve? Attention les amis. Oh, des petits cochons, du coup, on va les tuer au passage. Oh, il les one-shot. Ah non, ok, two shot. Ok, lui, va le tuer. Voilà, il récolte un petit peu de nourriture. Logique, hein, pour aller... Avant d'aller dans les grottes, les amis, important de récolter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il prend de la lave. Quoi? Quoi? Avec un seau de lave, les amis, on peut cuire un steak. Quoi? Depuis quand? Pourquoi on m'a pas prévenu? On ne m'a pas prévenu. Allô? What? Ah ouais, attendez, j'avoue, il a récolté de la lave. Ok. Ok, du coup, là, il peut cuire toute sa nourriture avec de la lave. C'est incroyable. Alors, ici, qu'est-ce que tu vas nous faire, mon petit Steve? Attention, ok, il a l'air tout excité. Il rentre dans la grotte. Et dans la grotte, ok, il y a un petit coffre avec un petit... Teuf de shulker, je crois. Avec des pistons et une torche de redstone. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous réserver. Attention. Ok, il place les pistons. Du coup, il y a un piston collant et un piston non collant. Ok, du coup, il place la petite torche. What? Regardez. What? Le piston, il passe à travers. Mais comment ça se fait? Hop. Je ne comprends pas. C'est quoi ces bugs, là? Ok. Carmé l'a donné un... Oh, attention. Ouais, j'avoue. Regardez. Oh, il a réussi à empiler deux shulkers dans le même bloc. Non, me dites pas qu'il va empiler beaucoup. Oula. Ah ouais, ok. Ah, il en a mis trois dans le même bloc. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et du coup, avec le piston collant, qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Ok, lui, par contre, il a... Ah, il est bloqué. Il est littéralement bloqué. D'accord. Ok, pourquoi pas les amis. En vrai, pourquoi pas les potes. D'accord, regardez Carmé, ils prennent des dégâts, c'est incroyable. Je ne comprends pas. En vrai, avec les shulkers, les potes, il y a plein, plein de bugs possibles à faire. J'en connais déjà des bugs avec les shulkers qu'on peut en faire. Mais celui-là, je dois l'avouer que je ne le connaissais pas. Alors... Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Là, ils sont dans un espèce de marécage bien dégueulasse pour le coup. Ok, ils jettent des œufs et de la neige dans le lac. Et des fioles d'XP, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va dans... Alors, attention. Oula.
Il met, ah regardez, il met du sable des âmes et quand tu mets ça dans l'eau, et bah ça fait des bulles comme un espèce de jacuzzi. Du coup, ok, la neige ça fait rien. Ouais, les fioles d'XP, oui, regardez, ça les fait flotter. Oui, ce bug là, je le connais déjà. Oui, 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 les amis. Regardez, quand vous mettez du sable des âmes dans l'eau, vous pouvez jeter ce que vous voulez, ça les fait flotter. C'est franchement stylé. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez déjà ou pas, ou si c'est une totale découverte, les amis. Et mettez un petit like au passage, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Alors, attention, là, il va essayer avec quoi? Avec des œufs, peut-être? Non? Ouais, avec des œufs, ok. Ah non, ok, bon, les œufs, ça les casse. Les œufs, ça les casse, pareil pour la neige. Bon, ah non, quand même! Non, oh, regardez! Non, en vrai, ça les casse pas, regardez! Oula, ça fait... Waouh! Et ça fait spawn des poulets. Ça fait spawn des poulets. D'accord. Ok. Et l'œuf, regardez, l'œuf reste dans l'eau. Ce bug-là, c'est pas le plus ouf qu'on a vu. Mais on doit se l'avouer, il est quand même pas mal. Il est quand même stylé. Ok, même avec la neige, ça marche. Ok, ok. D'accord. En vrai, les potes, si vous construisez votre maison, votre base à côté d'un lac... Voilà, pour faire des petits trucs un petit peu what the fuck, vous mettez ça dans l'eau, voilà. What? Regardez les potes, la neige, ok, la neige flotte toujours. Bizarre. Bizarre, hein, les potes. Ok, alors là. Ok, là, changement d'ambiance totale, on est dans les grottes, de retour dans les grottes. Alors, là, il y a de l'or. On récolte l'or, les amis, on récolte tout ça, les potes. Pas de gâchis avec nous. Pas de gâchis, tout ce qu'on voit, on prend. Ok, nickel. Oh, du diamant. Du diamant, va prendre. Ok, oh. Fais gaffe à pas tomber quand même. Ok, récolte tout le diamant, pas mal. Pas mal du tout. Oh, il y en a beaucoup quand même, hein. Ouais, mais il y en a pas mal. Ok, bon, il y en a plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Table de craft. Il met du bois, ça lui fait du stick, enfin des bâtons, d'accord. Il se fait... Qu'est-ce que... Quoi? What? Attendez, mais c'est quoi cette épée incroyable là de la mort qui tue? C'est quoi cette épée de la mort qui tue qui vient de nous faire là? Mais what? Mais c'est plus... Mais c'est plus une épée, c'est une raquette le truc. What? C'est une casserole, regardez la casserole. Et ça one-shot tout ce que tu vois? Mais non. Ok, ça one-shot tout le monde. En un coup, tu tues ce que tu veux. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Oh là 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 les amis, testez ça dans vos survies. Pour voir si on peut vraiment avoir cette épée là. Incroyable. Waouh. Non, en vrai c'est beau, c'est stylé, j'aime beaucoup. Attends, avec les zombies, ça one shot tout ce que tu vois. J'aime beaucoup le bug pour le coup, j'aime beaucoup. Oh, attention, la logique de Minecraft. Et attention, ça prend des TNT. Nous on adore tout ce qui est explosion et tout. C'est parti. Ok, il y a une TNT, tu mets de la flamme à côté, ça prend un petit peu de temps avant d'exploser, on connaît. On connaît, du coup, voilà, ça fait un petit trou. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il met du feu en dessous de la TNT, logiquement, ça doit exploser. Oui, bien évidemment. Ok, ça explose. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, oula. Ok, il met du feu. Oh, ouais, j'avoue. J'avoue les amis, j'avoue quand tu mets du feu et que tu jettes toutes les TNT dans le feu, bah ça explose pas. Il y a que quand tu poses le bloc en fait. Au contraire, ça détruit les TNT. Regardez, ils prennent feu et ils disparaissent. La logique de Minecraft, c'était écrit en plus. La logique de Minecraft, bonjour. Ok, du coup là il fait... Ah ok, il met un coffre piégé avec une TNT derrière. Ok, du coup ça explose la TNT, logique. Pourquoi pas? Et ensuite, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il refait la même chose, mais cette fois-ci, il met des TNT à l'intérieur du coffre. Et ça n'explose pas. Ça n'explose pas. La logique de Minecraft. La logique de Minecraft. N'importe quoi, les potes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, là? Oh, il a récolté un petit peu de bois. D'accord. Il vient de débuter sa petite survie, là, le petit Steve. Tranquillou, voilà sa petite survie en mode tranquille. Il se fait des petits bâtons, du coup il va faire la base. Oui, une petite pioche. Voilà, quand on commence une petite survie, les amis, il faut toujours se faire pioche et épée. Voilà, ou alors une petite pioche. L'épée, en vrai, moi je la fais jamais. Oh, quoi?
Mais c'est de la pierre, on dirait du gravier, regardez comment c'est tombé. What? Mais c'est de la pierre, normalement ça doit rester. What? Regardez, tout tombe comme du gravier ou comme du sable. C'est quoi ce délire? Ok. Ok, pour le coup les amis, c'est assez bizarre. D'accord. Dites-moi si vous avez déjà eu ce bug sur votre partie. Moi en tout cas, jamais de la vie. Voilà. C'est un petit peu bizarre comme bug des potes, je dois l'avouer. Mais bon, ça reste original. J'aime beaucoup. Oh, regardez. Oh, il a une belle maison, lui. Il a une super belle maison. Ok, d'accord, il rentre à l'intérieur. Oh, il a un petit peu... quelques petites ressources. Pas mal. Alors, il met des trappes. Quoi? Avec deux trappes, tu peux faire une porte? Impossible. Impossible. Avec deux trappes, tu peux faire une porte, les potes? Mais non. Depuis quand? Il y a plein de trucs, les potes, qu'on m'a pas prévenu. En fait, il y a plein d'astuces. Trop bien. Les potes, ces bugs-là étaient incroyables. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un maximum de likes, bien évidemment. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Dans sur ma chaîne, il y a plein de vidéos de ce style-là. Du coup, n'hésite pas à faire un petit tour. De toute façon, tu vois les vidéos qui s'affichent juste ici. Et moi, je vous souhaite à la... bonne continuation. Ciao, les potes.